Les librairies doivent absolument rester ouvertes parce que c'est un lien social très fort. La littérature a son rôle et la librairie est le lieu privilégié où il y a ces rencontres. Le livre est une proposition de partager notre appréhension du monde pour donner toujours un éclairage permanent. On le voit bien quand il y a eu des moments très difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation et dans d'autres pays, le Chili ou autre. Les livres, la littérature ont eu un rôle de soutien énorme. La littérature ouvre des voies. Vous lisez, vous êtes dans la solitude, vous confrontez aussi à la solitude d'autres, mais du coup les solitudes disparaissent. C'est des moments de pause et des moments de réflexion. Et je pense que là aujourd'hui, cette crise, on l'a montré, a poussé les gens à lire du fond, à lire des grands auteurs comme Stéphane Zweig, comme Giono, comme Camus et d'autres. Donc faut profiter justement de pouvoir un peu transformer notre approche des choses, prendre plus le temps de lire, le temps de s'aimer, le temps de sourire. Pour l'instant, Amazon reste toujours le grand seigneur des ventes. La librairie indépendante représente environ 35% du marché. Le reste est entre les chaînes culturelles, Amazon et la Fnac. Mais c'est vrai qu'il y a eu le rôle de la petite librairie, le rôle de conseil, de dialogue qu'il y a joué énormément. Ce qui est important dans la librairie par rapport aux grandes entreprises de vente en ligne, c'est que voilà, ça ne répond pas à des statistiques. Ils n'ont pas votre fichier dans des programmes pour vous proposer ce que vous attendez. Il y a le sentiment d'abord d'être plus libre et sortir des chemins battus, ne pas forcément vous proposer le livre que vous avez aimé sous une autre forme. Ça correspond beaucoup plus à la vie d'un livre d'ailleurs, où un livre pour avoir du succès ne doit surtout pas se répéter. Il n'y a qu'un livre pour Autant d'emporte le vent, il n'y a qu'un livre pour L'idiot de Dostoïevski. On est une industrie du prototype. Rien ne remplacera le contact physique avec un libraire et avec un livre. La découverte, c'est la librairie. La force du libraire, c'est vous entrer dans une librairie pour demander un livre. Peut-être qu'il ne l'aura pas, mais en tout cas, vous êtes sûr de ressortir avec un livre que lui a aimé et vous a convaincu. C'est de laisser vraiment une possibilité à des auteurs inconnus, à des premiers romans, de pouvoir trouver leur lecteur.